Naomi. Naomi. Oui, papa. Ah, attends que je t'appelle la troisième fois avant que tu ne répondes. Nelly. Hey, Naomi. Oui, papa. Je peux te parler? Avec plaisir. Et tu peux me comprendre? Si possible, pourquoi pas? Il y a un homme qui s'appelle Abraham. Donc, il m'a tellement parlé de toi. D'une manière que la manière dont il m'a dit qu'il t'aime, je ne sais même pas comment je peux te le décrire. Ici, tu vas me comprendre, je ne sais pas. Et je veux que tu sois avec lui. Et oui. Ma fille. Je n'ai pas compris. Je dis, il y a un homme, il est bien riche. Il s'appelle Abraham. Il t'aime. Il m'a beaucoup parlé de toi. Oui. Raison pour laquelle je veux que vous restiez ensemble. Moi. Et le monsieur. Oui. Vous le connaissiez. Ah, ah, pourquoi pas? Il vient souvent chez moi ici. Je vais le marier. Ah, ah, avec plaisir. Et pour quelle raison? La raison que c'est pour que. C'est parce que, excuse-moi, c'est parce qu'il vient ici souvent me donner de l'argent. Il n'a qu'à et je vois que. La manière dont il me donne de l'argent, si tu te maries, tu ne vas jamais souffrir. Ma fille, Badouane Dia, vous présentez. Dia, moi j'ai envie de souffrir. Moi je veux souffrir. Parce que moi je ne peux jamais le marier. C'est la souffrance qui a tué ta mère ici. Et la souffrance va aussi de tuer toi. Donc vous coûtez mes donc Badouane Dia. Papa, oui? Pourquoi vous me détestez ainsi? Pourquoi je vous ai fait quoi? Comment? Parce que j'ai péché, vous et j'ai pas encore payé là. Dis-moi, je vais rembourser l'argent. Papa, pourquoi? Je vous ai fait quoi? Vous saviez très bien que Ricky est là, c'est mon petit ami. Vous aimez trop l'argent. Le fait que vous aimez de l'argent, attends, vous aimez de l'argent. C'est quoi, je vais te faire comprendre? Eric là, à quoi? Papa. Eric là, à quoi? Eric qui prend la nourriture du matin, il mange à midi, et à de midi, il mange à 0h. Et on sait ça, c'est un bon bout de women. Bon, on sait, bon, on a dit ça, women. Nous nous prolonger. Quelqu'un va me dire, mais c'est celui-là que toi tu vas marier. Ce n'est pas. Elle est Bawendia, hein? Impossible. Elle est Bawendia. Hein? Papa. Oui. Tu vas te marier avec Abraham et c'est fini. À cause d'Abraham, vous m'avez giflé. Ça, c'est petite affaire. C'est Jésus, vous allez amener dans cette maison, moi je vais le marier. Si ce n'est pas Jésus, je ne vais pas me marier. Écoute, tu vas te marier avec Abraham. C'est ça. Tito, hein? Dis à ton gars là, comment il s'appelle? Chinois ou quoi là? Je ne veux plus le voir dans cette maison. Le jour de l'amour de Rebe Fiona, donc oui. Mais toi, ici c'est la maison de mon père. Vous aussi là, allez chez votre père. J'en ai fini. Viens, Naomi. C'est à moi que tu parles comme ça? Niro de Wadia. Papa! Hein? Papa! Oui? Papa! Oui? Ici, c'est la maison de mon père. Que vous le voulez ou pas, ici, c'est chez mon père. Allez chez votre père. Attends, ce que je vais te demander, c'est Eric là qui t'a amené à me parler, qui t'a appris à me parler comme ça? Eric ou rien. Que vous le voulez ou pas. Tu ne peux pas te marier avec Eric là. Eric, le jour où tu vas mettre pied ici, au nom de Dieu, tu vas regretter le jour. Tu vas regretter le jour. Tente seulement de venir. À mon minogon. Nado. Attends. Bye.
Papa. Abraham. Oh, lève-toi. Je reviens. Normal, j'ai mis du Eh, Nathia, oui. Mon fils, comment vas-tu? Ça va très bien chez vous. Tu te portes normal? Ça va très bien. Hey, c'est ça, ça aussi, c'est ta voiture? Oui, c'est ma voiture, papa. Hey. Ma nouvelle voiture. Et quatre voitures pour toi seul? C'est ta voiture, c'est ça? Oui, c'est ma voiture, hein, papa. Hein? Oui, c'est ma voiture, papa. Et t'es? C'est la grâce de Dieu, papa. Non, vous pouvez entrer dedans, venez. Hein? Oui, venez. Entrez dedans seulement. Ah. Hey papa, non, portez vos chaussures. Hein? Portez vos chaussures, papa. Ah, je vais salir la voiture. Non, portez vos chaussures seulement. Attends. Hey, Naomi! Oui, papa. Viens! Hein? De bonnes nouvelles pour toi. Viens! Papa, c'est ma femme, ça. Attends, d'abord, calme-toi aussi. Viens. Il y a un problème. Dis amen. Amen, pourquoi? Dis amen. Je vais dire amen pourquoi? Attends, c'est moi qui te parle et tu mets les mains derrière. Ok, fais comme ça, je vais voir. Amendez-moi-toi, Gawidoua. Tu vois comme tu es belle là, Zira. Je vais payer ça par la grâce. C'est pour ton mari. Eric. Voilà Abraham. Eric a payé voiture. Voilà Abraham dont je te parle. Papa, c'est qui? Je ne te parle pas. Voilà ton, ta femme. Ah, elle parle encore d'Eric. C'est qui Eric? Eric là, c'est l'un de ses amis, un malade là. Ah. Ils sont des amis de l'école, hein. Ok. De l'ancien temps. Non. Oui. On a oublié nous. C'est ça. Tu comprends, non? D'accord, papa. Je c'est ta femme. Dokoni, ouais, deux motos là. Moto yo là. Ouais, moto. On va rester ici là. Ne vous inquiétez pas, je vais changer la vie de votre fille. Ne vous inquiétez pas. Merci. Dis amen. Je vais changer la vie de votre fille. Ma fille. Dis amen, je te dis amen. Il n'a qu'à changer sa vie, sa propre vie d'abord. Mais sa vie a changé. Il est changé. Regardez celui qui est debout comme ça. On dirait quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Regarde lui. Peut-être qu'il a loué la voiture maintenant, tu ne sais pas. Un homme matérialiste. C'est quoi le problème? Papa, tu ne peux pas me laisser tranquille. C'est à moi que tu t'adresses. Normalement, la regarde. Hey, n'oublie pas que tu parles à ton père. Un père qui se déraille, c'est un père qui n'a pas d'avenir, qui ne sait même pas ce qu'il fait. Et quel respect vous voulez que je vous donne? Moi? Aujourd'hui là, dans nos jours d'aujourd'hui là, qui force encore son enfant d'aller se marier. Il y a de mal. Moi je vais te forcer ma fille. Je vais te forcer. Arrête. Ne tente jamais à me dire de ne pas te forcer. Ne tente jamais à me le repérer. Parle pour moi autant que tu veux. Tais-toi. Non, je vais le tuer à côté de toi. Tu parles, imbécile. Toi, tu oses taper ton mari. À côté mais nous à soutenir. Ça ne se fait pas. Imbécile. Malade. Tu vas quitter cette maison aujourd'hui. Hey, c'est quoi? Papa. Bon fils. Papa. Pardon, Massi Roméon. Asia. D'accord. Massi Roméon. Papa, Attends-moi que je la tape un peu devant toi, tu vas voir. Non, papa, je vais partir. Hein? Je vais te régler avec lui. Appelle-moi seulement. Je vais revenir le soir. Ou bien je peux la tuer. Non, ne la tuez pas. Si vous la tuez, je vais marier qui? Pardonnez, papa, ne la tuez pas. Viens là, regrette-toi, parce que je vais la faire. Abandonne-nous, nous, bêtes, hein. Non, où est-elle? Je vais. Elle m'a giflé. Pardon, reste ici un peu. Non, je viens, je vais revenir. Je vais la tuer. Elle m'a giflé, papa. Ça me vient ici. Gratuitement, sans que je m'en sonne. C'est la vie, hein, chérie. Autant, avec tant d'amour que j'ai pour toi, ton père ne veut jamais me voir. Écoute-moi. C'est la pure raison qui me pousse à ne plus venir chez toi. Écoute-moi. Je viens, il me traite comme un animal. Je te dis de m'écouter. Tu veux m'écouter ou pas? C'est parce que je n'ai rien aujourd'hui. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, s'il te plaît. Tu sais ce que j'ai à te dire? Écoute-moi. Tu sais ce que j'ai à te dire? C'est pas mon père que tu veux marier. Tu as compris? Tu as eu une relation avec moi. Et tant que moi, je suis là pour te soutenir, rien ne peut t'arrêter. Si papa refuse que de ne pas venir dans sa maison, c'est rien. Est-ce que ça m'a empêché de te voir? Ça t'a empêché de me voir même maintenant?
Mais c'est quoi le problème? C'est que tu sais. Hein? Si le pays nous fatigue, ou bien si papa nous fatigue, fuyons. On n'a qu'à laisser le pays. D'abord, on est en train de gagner quoi ici? Laisse-moi te dire. Tu es une femme et je suis un homme. Ton père a le droit de me rejeter parce que je n'ai rien aujourd'hui. Ton père a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et un père qui veut le bonheur de sa fille doit la laisser se marier avec qui elle veut. J'ai le choix de me marier avec qui je veux. Chérie, c'est pas ce que tu crois. C'est pas du tout ce que tu crois. Et bon, tu vois, avec tous ces problèmes, des fois même, je n'ai même plus envie de te revoir, de te voir même, parce que je me suis dit, regarde, par exemple, je suis en train d'aller sur la voie et bon, on peut me gifler à n'importe quel moment, on peut me frapper. Ton papa peut m'envoyer les braqueurs parce qu'il vient me tuer. Je ne sais pas, s'il te plaît. Pour la gifle. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Pour la gifle. Pour la gifle, je suis désolée. Je suis fatiguée, s'il te plaît. Écoute-moi. Regarde-moi. Affaire de papa, il faut laisser. Tu m'aimes, je t'aime. C'est fini. C'est déjà suffisant. Pour papa, je vais gérer comme il le faut. Laisse papa, s'il te plaît. Tu es sûr que toi et moi, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Tu me le promets. Je te jure. Merci beaucoup, mon cœur. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Il faut laisser. Je vais gérer. Je ne vais plus venir et il va me gifler. Il faut venir à la maison. Laisse. J'ai dit de venir. En venant, il faut t'habiller. C'est que. Il faut venir avec du courage. Tu sais bien que c'est que des débats que j'ai. Même demain, je te veux dans la maison. Demain? Si. Ah. Je veux que tu sois là demain. Mais il va me gifler. Il ne peut pas te gifler. Il ne va rien te faire, je te dis. Ok. C'est moi qui t'ai invité. Viens. Viens de venir. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu viens. Merci beaucoup. T'inquiète pas. Donc, tu me promets que c'est pour la vie. Promis, juré. Donc, à cause de cela, je vais venir demain. D'accord. D'accord. Je vais encore voir. Mais elle m'a pourtant dit qu'elle est là à la maison. Ma Romain, viens ici. Si tu fuis, je vais te faire du mal. Viens ici, viens, viens comme ça. Non, on s'en va pas. Qui? Je suis ton père. Tu regardes quoi là-bas? Tu regardes quoi derrière? Non, je suis. Mon gagnement, je t'ai bien vu, hein. Pour toi, c'est à part. Pour toi, ta part, c'est à part. Je viens pour toi. Hé, hey, de ton côté. Viens. Papa. Mais je t'ai dit de venir, non? Vas-y, viens t'asseoir. Assois-toi. On va parler. En tant que père et fils. Naomi est quoi pour toi? Naomi, c'est ma copine que j'aime. Non, c'est plus ça. Naomi est quoi pour toi? Nina a gagné. Assois-toi bien. Assois-toi bien, je dis. Dina Yanni, Naomi est quoi pour toi? C'est ma femme, c'est ma femme. Je ne veux plus te voir avec Naomi. Je t'ai déjà interdit ça une fois, non? Oui, papa, mais. Et maintenant, tu cherches quoi derrière elle? Elle m'a dit. Tu n'es pas promotion de ma fille. Tu n'es pas promotion avec ma fille. Tu es. Oui, papa, tu es l'enfant d'un pauvre. Tu ne mérites pas mon enfant. Ok papa, j'ai compris. Et tu veux quoi? Non, juste, elle m'a juste dit. Tu veux que je te tue avant que tu ne retournes derrière mon enfant? C'est bon, c'est bon. Vas-y, va ici. Non. Ça, je n'étais pas. Normalement, doit en blanc. Je voulais t'attacher pour papa, te frapper. Je ne vais plus jamais venir. Je dis, assois-toi. Maintenant, Goudo, fais face à moi. Est-ce que tu vas comprendre ce que je te dis? Oui. Oui, papa. Il faut jurer. Oui, papa, oh, s'il vous plaît. Je dis jure pour moi. Je vous jure au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de Dieu.
tu ne veux plus jamais venir ici. Je ne crois pas à tout ce que tu as dit. Il faut jurer le Ogou, le Sapata, ça tue rapidement. Ogou, Sapata. Mais avec Dieu, c'est un peu lambiné. Ok, papa, j'ai compris. Je joue au nom de diable, au nom de Sapata, Vodou, tout. Dis Ogou dedans. Ogou, je ne veux plus jamais venir. Tu ne vas plus jamais venir avec. Je ne vais plus jamais te trouver derrière mon enfant. Jamais, jamais. Tu es sûr? Je vous jure, au nom de Ogou. Je vous jure, papa, s'il vous plaît. Pardon, mais j'ai refusé. J'ai même pitié de toi. Pardon, je suis affaire de père de mère. Je vous assure. Pardon, toi. Je sais pas. Pardon, moi. Je sais pas. S'il vous plaît. Et pourquoi tu fais du désordre? S'il vous plaît, c'est de l'amour envers votre fille. Regarde ça! Quel amour? Je t'ai dit affaire d'amour, tu répètes encore ça. Non. Tu as l'amour à ma fille? Non, c'est ma petite soeur. Tu as encore d'amour à ma fille? C'est ma petite soeur. Quelle affection tu as à ma fille? C'est ma petite soeur d'école. Oui. Affection de petite soeur. Oui. La tienne, oui. Bougez, Dogoudomi. Eh, reviens, reviens. Reviens encore. Ouais, Nena Kambio, oui. Si tu vois ma fille au dehors, en train de partir, tu vas encore l'appeler? Jamais. Et si elle t'appelle? Papa n'aime pas ça. Ne parle même plus. Pas d'oro. Ok. Parce qu'on y a d'oro d'oro, allez au d'oro pour vite qu'on est. Ok. Quand elle t'appelle, tu vas faire quoi? Je n'aime même pas lui répondre. Pardon, papa. Pourquoi bien alors, Tomé? Je sais que vous, les riches, vous n'aimez pas prendre de gari. Papa, je veux de l'argent pour aller payer la moutarde, pour la sauce. Pour payer la moutarde? Mmh. Pour préparer? Mmh. Mmh. Ça veut dire quoi? Papa, je veux de l'argent. Quand on te parle avec les yeux, toi, tu ne comprends pas. J'ai dit que ton mari est là. Demande-lui de l'argent. Puis on peut assouder. Ça, vous allez demander à fini. Et Abraham. Papa, elle veut de l'argent. Oui, elle veut de l'argent. Je ne veux pas de l'argent. Moi, je t'ai pas demandé de l'argent. Je t'ai demandé de l'argent. Je t'ai dit que je suis affamée. C'est comme ça que les femmes sont. Papa, papa. Bonsoir, bonsoir, papa. Ah, bonne arrivée. Attends, tu es venu faire quoi chez moi ici? Tu es venu faire quoi chez moi ici? Papa, j'ai déjà interdit de ne plus venir ici, non? Papa, hein? À cause de quoi? Je suis ton papa. Laisse. Je suis ton papa. C'est moi qui t'ai mis au monde. Non. Abraham. Quand je suis en train de m'énerver comme ça là, toi tu dois être en train de m'acclamer. N'a d'intention de voir où tout. À cause de l'amour. Je vais me tensionner à cause de toi. Attends, cause de l'amour que j'ai pour votre fille. Quel amour? Papa. Tu as l'amour Oui. Tapez-moi comme vous voulez. Tapez-moi comme vous voulez. Ça veut dire quoi? Regardez ce que vous avez fait. Regardez. Papa. Je veux plus de voir ici. Comment ça? Je vous ai dit que c'est la personne que moi j'aime. Et vous êtes en train de nous fatiguer. Regardez ce que vous avez fait. Je ne te fatigue pas, ma fille. Je fatigue ton gars. Laissez-le. Voilà son mari. C'est moi Abraham. Qui l'ai invité ici. Abraham, tu es béni. Tu es béni pour toujours. Abraham, tu es maudit si tu ne peux pas dans la maison. Tu es maudit si tu restes ici. Abraham, t'écris-toi seulement. Vas-y, si c'est pas ta maison. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Comment vous allez? Bonsoir, ça va. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu m'as vu en train de crier maintenant. S'il vous plaît, calmez-vous. Je me bats. Calmez-vous. Bah, vous voyez, regardez-vous. Comment vous allez? Bienvenue. Je dis quoi, t'aider. Oh, papa. Regardez ce qu'il a fait. Excusez-moi beaucoup. Oui? J'aimerais m'intervenir dans l'histoire de votre fille et de son petit ami. Je te l'ai présenté. Non, petit ami. S'il vous plaît, papa, asseyez-vous. Calme-toi! Papa, s'il vous plaît, asseyez-vous. Calme-toi, asseyez-vous, papa. S'il vous plaît, asseyez-vous. Donne-moi juste quelques minutes. C'est à cause de toi que je veux m'asseoir. Hein. C'est à cause de toi. Merci, papa. Je jure sur ma vie. Merci, papa. Veuillez vous asseoir. Sinon, si c'est toi. S'il vous plaît. Souvent, tu prépares
Là, et ça sent, je sens l'odeur ici. Allons, dormir, ouais. Tu me donnes. Excusez-moi beaucoup. Et tu viens de me donner moi une petite minute à discuter dans votre affaire, s'il vous plaît. Viens. Si tu veux, tu peux prendre ça pour t'asseoir. Merci beaucoup, papa. Faut t'asseoir. Assieds-toi. C'est qui? Assieds-toi. Peut-être toi, tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Je vais t'amener quelque chose. Bonsoir, bonsoir, papa. S'il vous plaît. Tout me plaît. Je suis venu envers vous, vous demander une seule chose. Pouvez-vous me l'accorder? Laquelle? Je suis venu avec tous mes respects. Je n'en disconviens pas. Quelle chose? Depuis un fort moment, j'entends parler de votre fille avec son petit ami, des histoires amoureuses. Et vous êtes vraiment contre. Et paraît-il que vous avez cherché un petit ami à votre fille? C'est parce que lui, il n'a pas d'argent. Papa. C'est un pauvre. Papa. Mais celui-là. Papa. Ah! Savez-vous que si vous êtes dans l'illégal? Attends, laisse-moi d'abord, laisse-moi parler. Si tu entends qu'on dit coucou Shimoni, c'est l'argent qu'on. On parle de l'argent là. Coucou Shimoni, dis ça, je vais voir. Coucou Shimoni. Coucou Shimoni, c'est l'argent qui. Je n'en dis qu'on vient de prendre, papa. Tu es béni. Parle-moi. Tout le monde ici est béni, papa. Amen. Tout le monde ici. Sauf lui. Il est béni. Papa. Nous tous qui sommes ici, nous sommes votre fils. Nous sommes vos enfants. Parle, faut vite parler, rentrer dans ta chambre. Même ta femme m'énerve. Faut vite parler. Excusez-moi. Calmez-vous. D'accord. Vous savez que vous êtes dans l'illégal. Merci. Moi? Oui, papa, bien sûr. Comment? Ce n'est pas la peine de donner mari à votre fille. Merci. Qui t'a appris ça? Papa, excusez-moi. Tous mes excuses. Je suis venu respectueusement envers vous. T'as voulu ton mec. Et toi, s'il te plaît. Faut pas énerver ton papa de plus. Papa, non, faut la laisser, parle-moi seulement. Papa, vous êtes vraiment dans le méta. Aujourd'hui, votre génération, c'est à part. C'est déjà passé. Nous sommes dans une génération qui évolue de jour en jour. Et quand à chaque fois vous êtes en train de parler de Abraham, quelle est la source de la richesse d'Abraham? Laissez votre fille souffrir avec un homme pour pouvoir trouver la richesse. La vérité. Vérité, papa, absolue. Ne suivons pas l'argent. S'il vous plaît, ne suivons pas l'argent. Ce n'est pas que je suis contre votre Abraham ou je suis pour votre fille et son petit ami. Mais ce que vous faites, c'est l'illégal. Tous mes excuses, papa. Donc, je n'ai pas autorisé à un père de donner et de marier à son enfant. Non, papa. Non. Veuillez prendre quelques minutes, rentrer dans votre chambre et réfléchissez à propos de ce que je vous dis. Abraham. Oui, papa. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, papa. C'est ce que moi-même j'étais venu vous dire. Parce que, vu que nous sommes en train de parler avec. Je suis en train de parler avec votre fille. Elle ne veut pas de moi. J'ai préféré laisser sans. Pour qu'elle puisse choisir l'homme qu'elle veut. Parce que je n'aimerais pas la voir malheureuse. Parce que si on la force maintenant, si je la marie forcément, elle sera malheureuse dans ma chambre. Vous voyez, non? Il n'y aura pas le respect et autres. Il n'y aura pas le respect. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de tout abandonner, papa. Donc, tu laisser la trouver l'homme qu'elle veut. Donc, ce n'est pas que quand tu l'as laissé, les gestes que tu me fais, tu n'auras pas compris ça. Non, c'est rien, papa. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes mon papa. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous êtes mon papa. Vraiment. Donc, qu'elle choisisse l'homme qu'elle veut. D'accord. Et ça me va. Là, merci beaucoup. La souhaite, voilà. Ça me va de part. Merci beaucoup. Papa, merci beaucoup de m'avoir. Oui. Non, c'est bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Depuis près de 15 ans que tu es dans cette maison, c'est aujourd'hui que j'ai vu que tu as vraiment parlé. Merci. Parce qu'avant, tu ne fais que m'amailler. Mais maintenant, tu as parlé. Non, merci. Bon, je vais prendre congé de vous rapidement parce que je veux rapidement aller dans le salon. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Okay. Abraham. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Papa, je vais aussi prendre congé de vous. Vous allez discuter avec votre fille, avec son petit ami. Ok, d'accord. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Je vais demander à partir. Je vais vous appeler. Ok. D'accord, merci, papa. Merci beaucoup. Si c'était avant, tu me faisais des gestes. Non, je vais vous appeler, papa. Ok, d'accord. Je vais vous appeler. Au revoir. Merci beaucoup. Papa, s'il vous plaît, et j'aimerais demander, parce que ça me plaît tellement de vivre ma vie avec votre fille. De fonder une bonne famille avec votre fille, s'il vous plaît. Et tu es sûr que tu ne vas pas la laisser? Jamais. Tu ne vas pas la faire souffrir? Jamais. Tu es sûr? Je suis tellement sûr. Au goût est derrière ma chambre. Hein? Oui, absolument. Si tu fais souffrir mon enfant, au goût va te tuer. Hein? J'avoue, il n'y a pas de souci, papa. Il n'y a pas de souci. Et tu veux quoi maintenant? Bon, j'aimerais demander la liste de la dot, en fait, pour que je ne peux pas me faire mes yeux. Ok, t'inquiète. Je ne suis pas seul qui l'a mis au monde. Je ne suis pas le seul qui l'a mis au monde. Donc, j'ai une famille. Donc, je vais essayer de parler à la famille. Et le jour qu'on a pris, la famille va le dire. Et Valadi viendra t'informer. Oh, merci. Il n'y a pas de souci. Moi, quand ce soit le prix à payer, je vais le payer. Merci. Il n'y a pas de souci. C'est un homme. Et toi, tu es content comme ça? Tu es contente? Ne me jouez pas, oh, pardon. Devant moi. Pardon. Beaucoup de gens. Non, c'est bien. Mais embrassez, mais bien, je vais merci, papa. Attends, va te vieux. Mon temps est passé. Moi, mon temps est passé. Bon, faut voir. Fini, tu viens. Hé, viens me faire bas. Il n'y a pas de souci. Là, vous faites tes libos. Ah, gagnez le micro-polo tout le temps. Gagnez quoi? Embrassez-vous. Je me rappelle de ta maman. Le jour où j'ai rencontré ta maman, je me suis rappelé de tout. C'est comme ça qu'on faisait. Oh. Au revoir, papa. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui ont visualisé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont regardé. Merci à ceux qui vont aussi commenter. L'objectif, vous l'avez déjà vu, et n'oubliez pas de partager massivement, partager, et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour les prochaines vidéos. Vous avez tellement regardé la scène du début jusqu'à la fin. Quelle leçon à tirer? Essayez de laisser dans les commentaires ce qui s'est passé et quelle est votre leçon que vous avez tirée dedans. Voilà ce qui s'est passé. Un papa, le père ne veut pas que sa fille se marie avec un pauvre. Et voilà. Ce pauvre là. Hein? Le pauvre est devant vous. Donc, ok, voilà. D'accord. S'il en est ainsi, s'il vous plaît, et cher papa et chère maman, laissez vos enfants se marier avec leur choix. Super. Avec leur choix. Raison pour laquelle moi je voudrais changer la vie de mon enfant. D'autant plus que comme Dieu ne le veut pas, regardez le cinéma, regardez le film, mettez-vous en commentaire et dites ce que vous avez vu. Et là, tiens, nous, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Abonne-toi sur Matao Film directement. Ah. Le film d'Abelé Coin. Tu es en train de regarder. Une série viendra tout d'ici quelques temps. Papa, hein? Une série. Hein? Coupé!